Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 21 de The Evil Within 2. Je me suis fait des munitions, j'ai pris des compétences, un petit peu en combat, et la vie aussi. Donc maintenant, bah, on est parti, on va aller voir Sykes. Enfin, Syke. Bon, j'ai pas munitions illimitées par contre. Donc il va falloir les utiliser avec parcimonie. Est-ce qu'il y a un gars en haut comme l'autre fois là? Non. Mademoiselle. Je l'avais pas déjà ouverte cette casse? Ça respawn les casses? Ah ouais, nice. Bon bah 10 balles, j'aurais su tout à l'heure, ça m'aurait aidé. D'accord, donc il y a... Oh bordel. Donc d'accord, donc l'état de cendre, ça fait spawn des ennemis. Il s'enflamme. Oh l'autre, il est en train de tout cramer là-bas. Mais il est sérieux lui? Allez, bouge un peu là, frère. Il est sérieux? Il m'a peut-être vu. C'est le but, mon gars, c'est le but. Ah merde, il était en feu! Fausse alerte! C'est parce qu'il a. Ok, ok, bien joué à lui. Oh. Oh là, le vomi! Ouais, il était en feu. Bien joué à lui! Il m'a fait du dégât, ok, ok. Pas mal. C'était legit. Ça, ça a duré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ok. What the fuck? C'est fini là. Bon, du coup, faire attention au tas de cendres. Là, il y a un poteau. Là, du coup, on peut plus y aller. Les barbelés, ils ont respawn. Donc là-bas, le mec, il avait fait... Voilà, il est en train encore. Quoi? Pourquoi il s'excite comme ça, là? Je l'ai vu, hein, depuis longtemps, le jeu, t'inquiète pas. Ouais, donc là, ouais, il avait fait le ménage et tout. Je sais pas à quel point il reste le vomi, genre si ça dépop au bout d'un moment ou alors si ça reste. J'espère pour moi que ça reste. Ça, je suis full. Là, il y a un gros porc, je sais pas ce que c'est. J'ai envie de savoir si ce gros porc est seul. Parce que s'il est seul, je vais aller le... essayer de le niquer, parce qu'en fait, je ne le connais pas. Il m'a l'air relativement seul. Allez, bon, on va voir ce que c'est, hein. Faut tirer dans les protubérances, j'imagine. Ouais, il explose, hein. D'accord. Ah,
ça le bute? Oh! Mais il a rien loot! Enculé! Oh là là, il est tout bugué. What the fuck? J'ai l'impression qu'en fait, il est pas considéré comme, comme mort. Ouais, il est pas considéré comme mort, hein. Bon, je vais essayer de lui donner des coups. Ou de le faire tomber, voilà. Ouais, non, je pense qu'il est bugué. Bon, très bien. Bon, les gros sacs, ils sont faciles à tuer. À mon avis, ils font péter... Ils font péter les mecs à côté d'eux. Je me demande la glace, ce que ça leur fait à eux là. Merde, attends, comment on fait déjà? Faut que j'arrête de viser, je crois. Ouais. Il faudrait qu'ils soient tous les deux au même endroit. Je suis con en fait. Je peux très bien les faire aller au même endroit, c'est juste que... Y'en a un autre. Holy fuck! Mais arrête! Non, non, non! Eh! Ça suffit! Ouais bah évidemment, putain. Allez, ta mère. Mais oui, tu sors des nouvelles attaques. Oh là là, j'ai gaspillé. Je pensais avoir... Avoir le timing. Non, hey, au mix, tu dis aim à revoir. En vrai, t'es venu pile au moment où. où j'ai fait de la merde. Parce que sinon, je visais bien depuis tout à l'heure. J'ai mis des sales têtes au tout début, là, quand j'ai commencé. C'est-à-dire, il y a genre 3 épisodes pour ceux qui sont sur YouTube. Non mais en fait je pensais avoir le bon timing et que le mec il allait enlever pile son feu au moment où je le rushais, mais pas du tout. Ok. Hop. 70, ça paye. Ok, très bien. Si tu veux. Ah oui, là il y avait des trucs. Il y a des petites boîtes et tout. Est-ce qu'il y a du loot par ici? Il y a mon pote Sykes. Il y a une petite herbe. Bon, on va aller voir derrière. Il y avait des boîtes. On n'en trouve plus des haches par contre dans le jeu.
Ah, y'a mon pote. Mais pourquoi il a... Ah non, je croyais qu'il avait sa langue. En fait, lui, il est scripté, il vient... En fait, il est scripté, lui, parce qu'il vient à peu près... Il avance dans la ville en même temps que moi, tu vois. Là, il y a un gros porc, il y a même deux gros porcs. Ah, il y a des zombies normaux, putain. Je les avais oubliés. Ah, mais c'est encore un autre, là? Bah vas-y, on fait les kills, c'est pas grave. Toujours discret. Alors Sykes, qu'est-ce que t'avais à me dire? Attends, tout d'abord je fouille. Piste. Ah, c'est une munition. Je me demande si ça te le donne, le pistolet silencieux, au cas voilà. Où... Voilà, bien. Que se passe-t-il, Sykes? Au cas où tu l'as pas trouvé. Je suis légèrement occupé, vous savez. Hé, hey, c'est vous qui m'avez dit de vous appeler avant de partir. Vous avez trouvé la sortie de secours? Regardez. Ah, merde. Citation. Non. Il faudra que vous montriez comment l'utiliser pour que je puisse sortir d'ici avec Lily. D'accord. Alors voilà ce que je vous propose. D'abord, vous devez m'aider à quitter ce monde. Vous aider? Je ne sais absolument pas comment fonctionnent ces ordinateurs, Sykes. Non, c'est pas ça le problème. J'ai piraté les serveurs pour accéder à une zone restreinte du STEM. Je dois utiliser l'un des caissons pour sortir d'ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de courant. Et il y a un sacré paquet de créatures aussi. L'effondrement du système affecte le STEM en profondeur. Si vous rétablissez le courant et faites le ménage pour moi, je pourrai enfin me casser d'ici. Et tu me donnes quoi encore en retour? Une fois, qu'est-ce que j'y gagne? Ouais, voilà. Je vous montrerai comment utiliser le caisson avant de partir. C'est bon? Ok. Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Appelez-moi quand tout sera prêt. Je dois reconnaître que j'ai été surpris d'avoir de vos nouvelles. On parlait pas. Je me suis fait discret pour résoudre cette histoire d'issue de secours. Mais j'ai jeté un œil de temps à autre. Tout part en vrille. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Un maniaque essaye de prendre le contrôle d'Union. Vous avez eu raison de rester là-dedans. Vous auriez pu finir écorché vif. Ou brûlé. Ça me tente pas trop. Je passe mon tour. Le pire, c'est que ce cinglé veut mettre la main sur Lily. Si mon plan fonctionne, vous pourrez la mettre en sécurité dès que vous l'aurez retrouvée. Comment est-ce qu'un type comme vous a pu se retrouver chez Mobius? Un type comme moi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Que vous avez une certaine humanité et un minimum de cran. Il semblerait qu'ils aient une préférence pour les opérateurs sans scrupules ou d'une obéissance inconditionnelle. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous pensiez que je vous prenais pour qui? Non, rien. Oublions ça. Vous savez, c'est moi qui ai fait la démarche pour les rejoindre. C'était pas facile d'ailleurs. Ils savent couvrir leurs traces. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est juste l'organisation la plus puissante du monde. C'est tentant, non? Et vous ne considérez pas que leurs actes sont criminels? Eh, c'est un crime que si on force les gens. Vous connaissez l'adage. Quis custodiat ipsos custodes. Bien évidemment. Ah vrai? Bien sûr. Je vous crois sur parole. Ah mais donnez 50 trucs parce que je vais parler. Lourd. Un petit peu de café, ça fait plaisir. Full life. Machin, sauvegarde, ok. Putain, les pièces détachées, ça commence à pleuvoir. Hein. Ils t'en donnent beaucoup, là. 12, putain, oh ouais, franchement. Ils mettent méga bien. Du coup, moi, je pense qu'en vrai, je vais continuer à faire... Attends, quoi? Munitions pour fusil d'assaut? Mais j'ai pas encore de fusil d'assaut! D'accord, bon, comme ça, on sait. Que faire? J'ai envie... Non, vas-y, c'est pas grave. Ah, non, on va aller se faire des balles. On va aller se faire des balles et améliorer ses armes. De toute façon, ça prend 2 secondes à chaque fois.
Qu'est-ce qu'il a le chat? Il a rien. Alors, on va se faire le plus de balles possible. Carreau fumi, non. Seringue, non, parce qu'en vrai, à chaque fois j'en croise et je peux pas les ramasser. Parce que je suis trop bon, encore une fois, je veux le souligner. Allez, le peupon. Mon nouveau peupon, surtout. En vrai, la cadence, ça pourrait être intéressant, mais... Bon, après, c'est pas si cher que ça. Parce qu'il faut toujours plusieurs balles pour finir un ennemi. Alors, on va prendre un petit peu de cadence. On va prendre un petit peu de cadence. Ça mange pas de pain. Je vais juste voir mon nombre de vomi. 3000, ok, donc je peux rien faire avec ça. Eh bien, allez, on sort. Ok, on va aller des Sykes, je pense. Non, non, accéder au département, non. Il a dit c'était chaud quand même, hein. Il a dit que c'était chaud. Est-ce que j'y vais ou pas? Allez, on va y aller. On va voir, on va sauvegarder avant. Il a dit il y avait masse monde et tout. Et j'ai pas encore le fusil d'assaut. Maintenant, je sais qu'on peut en avoir un. Mais je l'ai pas encore, donc je sais pas si c'est lui qui nous le donne. Bon. Ou si je devrais plutôt l'avoir avant d'aller là-dedans, tu vois. C'est pour ça que j'ai un doute. C'est que peut-être sans fusil d'assaut, ça va être tendu. Tant mieux. Hop. Voilà. Heureusement que je me suis pas créé la seringue. Ok. Et ça, c'est quoi, là? Bon. Non, c'est pas un pixel mort sur mon écran. De toute façon, un pixel mort, je crois pas que ce soit blanc. Je sais pas, je pense que c'est noir. Bon, là, il y a eu des sentences. Ça a l'air abandonné. Rien de rassurant. Que dalle, c'est... Je vais simplement m'occuper de ce qui grouille là-dedans et remettre le courant. Ouais, voilà, c'est abandonné. Que dalle, j'entends des zombies, tu sais. Ah. On va éviter de tirer dessus. Là il y a une hache, ça permet un one shot. On va juste aller voir par ici. What? Ah, ils vont se relever cette bâtard là. Ouais, je glitch dedans, ils vont se relever, c'est obligé. Regarde bien. Si j'essaye d'ouvrir la porte, ils vont se relever. Mais en vrai, c'est... Putain. Ça donne des points. Ouais, toujours plus. Ah oui, Omix aussi. Tu parlais de mon aim, mais je suis à la manette. Hein. Yo.
Là, elle, là, j'ai pas confiance. Discrétion, hein. On gueule. Ça gueule de ouf, mais discrétion, t'inquiète. Lui, il a une hache. Enfin, elle. J'aimerais juste qu'elle me voie suffisamment pour se rapprocher. Oh merde, elle est en face de moi. Ils vont se taper. En vrai, ça va rien changer, hein, ce que j'ai fait. Ah non, les deux dos, my bad. J'avais pensé qu'elle était de face, ok. Bon, c'est compliqué la vie pour rien. En vrai, j'ai pas ton temps. Connasse, va. Après, c'est moi, j'ai pas lancé la bouteille à mes pieds, mais bon. Oh là, toi. Toi, mon petit gars. Vas-y, lève-toi. Voilà. Je peux pas ouvrir. Ok, bon attends, j'ai pas fouillé. Non, ça c'était fermé. Ok. Et donc là, non, on peut rien faire à partir de là. Peut-être. Ouais, voilà. Ok, bah j'ai bien fait de tous les tuer parce qu'à mon avis, ils seraient réveillés maintenant. Échec, non. Échec. J'ai pas compris comment ça marchait ça. Voilà. Tu fais des trucs au pif, ça passe. Assurez-vous qu'il n'y a plus d'ennemis et appelez. Ah. Très bien. Bien le bonjour. Par où elle va venir la pute? Il veut pas se planquer. D'accord, parfait. Il voulait pas se planquer. Bon, je sais bien que ma manette elle est pétée, mais quand même. Regarde là, il veut très bien se planquer, tu vois, y a pas de soucis. Ah, ok, j'ai compris. Je pense qu'il faut passer par là, faire tout le tour. Parce que là, sur le côté, je pense qu'il va me voir. Tu sais, tu te baisses de 15 cm et c'est bon, hein.
Ok. Donc maintenant la porte elle va être ouverte. Bon, au moins on sent qu'il y a un petit peu plus de puissance dans le fusil à pompe. Ça on peut pas le nier. C'est bon. Je ferais bien d'appeler Sykes. Ça va partir en course, en couille, c'est sûr. Ok. Merci. Je serais pas parvenu sans vous. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais j'ai pas super envie de rester ici. Tout est bon à prendre à ce stade. Ok, tout est en place. Quand vous ramènerez Lily, vous trouverez un minuteur ici. Tournez-le d'un quart de tour, puis appuyez sur ce bouton. Ça vous laisse 60 secondes pour monter dans le caisson. Vous devriez pouvoir y tenir tous les deux. Sykes, j'ai comme un mauvais pressentiment. Écoutez, je sais ce que je fais, ok? Vous devriez peut-être remettre ça à plus tard. Aidez-moi à trouver Lily. Et nous trouverons une autre issue. Je suis désolé pour vous. Vraiment. Mais le mieux que je puisse faire pour vous aider, c'est de faire fonctionner ce caisson. Ok. Si vous le dites. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais, bonne chance, parce que là, j'ai des doutes. Merci. Je vous ai laissé quelque chose en guise de remerciement. J'en aurai plus besoin là où je vais. Merci. On se retrouve de l'autre côté. Fusil d'assaut, je pense. A priori, ça a l'air d'avoir... Il n'est plus là. Fonctionné. Je me demande si ça a marché. Oh, ça doit être une diapo. Alors là, il n'y a rien déjà. C'est pas une diapo qui m'a laissé en guise de cadeau, cet enculé. J'espère que c'est pas ça son cadeau, hein, parce que moi, si je le retrouve, je vais le frapper. Hein. Bon, là, je suis full life ou pas? Ouais. Encore une fois, je suis beaucoup trop bon. Ah, là, ça me parle. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, un canoncier. Non, un double canon, mais canoncier quand même. Alors, deux fois plus de canon, deux fois plus de chevrotine et deux fois plus de dégâts. Léger et résistant, il doit être rechargé plus souvent, logique. Les améliorations de capacité de chargeur du fusil à pompe ne s'appliquent pas à cette arme, tu m'étonnes. Ouais, donc lui, il a un canon long, donc une longue portée. Et lui, attends, fais voir un peu le style. Lui, il doit faire max dégâts. D'accord. Bah écoute, je sais pas lequel. On va rester sur celui-là pour l'instant. Heureusement que je suis repassé. Là, il y a un document, non? Ouais. Notre tentative d'utiliser un caisson du STEM comme issue de secours est officiellement un échec. Malgré un taux de réussite de 25%, il a été décidé d'interrompre les recherches. Un sujet sur quatre est parvenu à quitter le système. Les trois autres ont tout simplement cessé d'exister. Nous pensons que les 75% restants sont perdus dans un niveau non répertorié du STEM. Un rêve dans un rêve dont il est impossible de revenir. En raison d'un trop grand nombre d'inconnus, l'expérience a été abandonnée. 25% de chances de réussite. C'est trop peu pour que je risque la vie de Lily. J'espère que Sykes a rejoint le monde réel. Il a une chance sur 4 après tout. C'est peu. Mais ouais, franchement, lui, c'était un des meilleurs... Genre, c'était un pote, tu vois.
C'était un des moins bâtards avec la chinoise. En vrai, ils ont tous été cool. À part O'Neill qui était un petit peu. Enfin, je sais pas, il était pas trop dans notre monde, il était pas trop avec nous, on aurait dit. Mais ouais, sinon, la chinoise, le black et la latine, ils ont été cool. On a toutes les races, c'est plutôt pas mal. Enfin, on dit pas race, on dit un autre mot, mais je me souviens plus. Du coup, voilà. Sykes, rip. Enfin, on sait pas. J'espère qu'il s'en est sorti, ce con. Et qu'il nous aidera aussi s'il est sorti. Je sais pas s'il peut nous aider du monde réel. Bref, dans tout le cas, on va s'arrêter là pour cet épisode 21. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.